Ma douce et lumineuse fillotte. Oui, mon beau cousin. Si tu vis dans ce piètre logis, qui possède notre château dorénavant? Jacques-Henri Jacquard, un garçon assez nouveau riche, un petit peu précieux, de la famille de nos anciens métayers. Quoi? C'est un gueux qui possède le château? Un gueux? Bah enfin, je vous en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça n'empêche pas d'être un mari sympa. Lui, un gueux? Ah, on ne peut plus manger, là j'ai plus faim. Là. Non mais c'est vrai, là c'est trop. Il me noie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu? Non, j'ai rien entendu. Non mais oh! Il crie dessus maintenant! Il m'a fait pas ça! Pardonnez ce maroufle, mais il est si triste d'apprendre qu'un gueux possède mon mirail. Je sais pas pourquoi. Ma douce et lumineuse fillotte, je n'aurai de cesse de réparer cette infamie. Ce jacquard va vous rendre le château contre écus sonnants et trébuchants. Et s'il refuse, je le type! Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Qu'on a pendu un beau matin. Qu'on a pendu avec ses tripes. Où sont les poulards? J'ai faim. Pardon, vous allez pendre qui? Jacquard le gueux. Où sont les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Il n'y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Une chèvre rôtie, quelques cygnes blancs bien poivrés. Ces amuses bouches m'ont mis en appétit. Vous avez encore faim? Après ce fait de goinfré? Oh non! Faut pas faire le... Oh mais non! Vous êtes prêts? Il a fait son... Pardonnez ce maroufle. Père avec. Ne fais pas de bruit. Fais pas de bruit. Enchaîne direct, ne fais pas de bruit. Oui, allez. Jacquard, le gueule.